Hello la mif, j'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo pour vous m'expliquer pourquoi j'ai pris position là. Donc vous voyez, j'étais sur le time frame de 5 minutes. Comme je vous l'avais montré, j'avais pris position ici et j'ai mangé tout cela. Et j'ai pris position parce que donc il y avait cela et je voyais que il allait avoir ce croisement là. Et donc, quand il y a ce croisement, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur YouTube, quand il y a ce croisement, tu peux prendre sur 1 minute, tu peux prendre 5 minutes facile, et sur 5 minutes, tu peux prendre 25 minutes facile. Et donc, j'ai pris tout ça et j'ai coupé quelque part ici. Et donc, quand c'est ici, j'ai coupé parce que pourquoi j'ai coupé, j'ai vu ce croisement qui va contredire le croisement là en bas. Donc vous voyez ici le bleu va passer comme ça, vous voyez, pour monter le bleu va venir comme ça et le rouge comme ça. Pour vous, et le bleu c'est le rose et le rouge c'est orange. J'ai juste changé la couleur. Et donc c'est ça, vous voyez ce qui se passe et j'ai vu cela. Donc j'ai coupé ma position quelque part ici et donc j'ai attendu quoi? J'ai juste attendu que j'avais tracé une trend line ici, comme vous pouvez le voir. J'ai juste attendu que ça remonte ici et j'ai pris ma position et directement sur 5 minutes, sur 1 minute, j'ai pris ma position quelque part ici. Donc vous voyez quelque part ici, ici, et dans 1 minute, il y a eu un spike et on est à $30 sur chaque position. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'était ça. Et j'ai regardé 5, sur 5 minutes, ça montre que ça va descendre et ça va descendre jusqu'au 2 fois, ça continue de descendre. Et on va sur 15 minutes, on voit qu'il va aussi y avoir le croisement. Vous voyez, si le rouge vient comme ça et le bleu passe comme ça va continuer à descendre 2 fois. Et sur 30 minutes, vous voyez, il peut aussi y avoir ce qui s'est passé là-bas. Si on va sur 1 heure, on voit aussi qu'il y a eu le croisement ici qui montre que ça va descendre, vous le voyez. Donc ça va descendre, ça va continuer à descendre. Donc là je vais garder les positions, j'espère que ça va continuer à descendre de fou et je reste toujours vendeur sur 15 minutes. Ça va faire le croisement sur 1 minute, c'est déjà fait, ça montre. Donc vous voyez, c'est déjà fait, ça montre que ça va descendre. Donc le croisement s'est passé ici, même si vous auriez pris votre position dans cette zone-là, vous auriez mangé tout ça. Donc vous voyez à quel point c'est très simple d'utiliser les moving average là que je vous ai donné. Donc il y a des gens qui n'utilisent pas bien cela, alors que c'est très facile à utiliser cela. Donc vous voyez, c'est juste ça, c'est juste ça. J'ai vu le croisement, je trace la trend line. C'est qui me montre que ça arrive dans cette zone. Vous voyez, ça monte, ça descend, ça touche la résistance et ça redescend. Donc j'ai attendu que ça revienne ici, j'ai pris ma position et boum, ça fait le spike. Voilà, c'est ça.